Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Nous te posé une question hier sur Facebook là avec sur YouTube là et en pile monde te bail opinion yo et vraiment aimé ça. Il des questions c'était ça même parce que c'est pas de m'appeler un article qui parlait de ça même et te publié question hein, pour que quelqu'un monde ka bail opinion yo bail ça yo connaît ou bien c'est pour ça te ka motiver un monde dans moment pour aller faire une recherche sur sujet. Question c'était qui ça peut-être ou même qui pas trouvé. Là yon ti moun fèt nan yon avion pendant avion ap vole, ki nationalité ti moun sa? Li son question ki vraiment complexe ki mande an pile et analyse parfois pour déterminer toute nationalité que ti moun nan gen droit avec. Mais avant tout yon moun ki te commenté ki te dit que pour éviter ti moun sa vini en apatride que gen des conventions qui siyen pour ça. Konn yon fann pa bliye. Nan ka sa ti moun nan li pa yon apatride. Et li difficile pour ta yon apatride parce que pas oublier que majorité pays dans monde là pour me pas dire tout yo accepté droit du sang qui c'est juste sanguiné qui bay droit apparent ti moun nan automatiquement gen nationalité mais gen quelques exceptions avec ça gen des pays par exemple les plus difficiles pour yon fi transmet nationalité que papa etc. Ça sont l'autre débat qui moins commun mais premièrement les ti moun nan fait dans avion hein li généralement gon maman ou papa qui en pile fois bal droit à une nationalité déjà et puis là que li gen li pa ta gen papa li ta gen seulement maman maman pa ta choisi déclarer papa parce que biologiquement li gon papa quand même mais ça qu'arrive que dès sous déclaration même j'avais li pa gon papa qui déclarer sous document donc là ça si moun sa dans majorité des cas la bien droit tout à nationalité maman mais on garde qu'on y a le fait que dans avion qui ça ça change et nous gen pour considérer deux bagages. Est-ce que l'avion ça a volé sous espace aérien yon pays ou bien est-ce que l'a volé sous espace aérien qui neutre? Par exemple, yon avion qui sorti Brésil qui pral aller en France ou bien n'importe l'autre pays en Europe, à un certain moment, li nan espace aérien Brésil là et puis nan rive un moment sur route là que li son esprit son espace aérien neutre, son espace international. Ça veut dire ça pas sous aucun territoire. Nan cas que avion sous espace aérien yon pays qui bay droit à juste sol, droit du sol, de façon irrestreinte. Ça veut dire qui ça? N'importe monde qui fait sous territoire, sans restriction, ligue nationalité. Exemple Brésil, exemple États-Unis. Donc n'importe monde qui fait dans un avion, qui dans espace aérien Brésil, n'importe quoi tu sorti, n'importe quoi tu as aller dans n'importe avion, si moun sa, ils sont brésiliens tout. Si papa, ils sont haïtiens tout, mais ils ont tout droit à la nationalité brésilienne. Deuxièmement, soit voler États-Unis et tout, c'est même bagarre là parce que vous appliquez droit du sol de façon irrestreinte. Dans le cas que vous passez dans un espace international, son espace qui pas pour aucun pays, pas défini pour aucun pays, dans le cas ça, en dehors de la nationalité parent, si vous êtes capable de droit à pays ça, à pays que avion en sortir. Avion en la nationalité pays ça. Par exemple, mon voyage sorti Brésil à l'États-Unis dans Gol, son avion brésilien. Si moun sa ki fait en dan yon avion gol, li tout gen droit à nationalité brésilienne nan, même que avion ta sous espace international ou bien li ta sous espace territoire Brésil. Pendant que États-Unis li même li pa wel comme ça, même qu'au fond si moun nan American Airlines pour États-Unis, si moun sa pas automatiquement yon américain. Là même si pas automatiquement américain, ça capable river puis devant gen des analyses, gen des démarches qui fait peut-être pour yon pour le gagner droit nationalité hein, mais automatiquement même j'en gagne pour Brésil là il pas gagne automatiquement pour États-Unis dans cas que l'on a pris un pays qui pas appliqué droit du sol même qui a appliqué droit du sang exemple Qatar si je me trompe et puis un pays qui a appliqué droit du sol mais de manière restreinte ça veut dire qui ça si mon pour que gagne nationalité pays hein, faut qu'on n'a pas yo gagne résidence par exemple République dominicaine. Si on moun gen résidence dans pays yon, li font ti moun. Si moun nan se dominicain, si moun nan son touriste liye, li font ti moun, si moun sa pa dominicain. Donc même que avion te sorti nan pays ça, li gen tan clair que moun sa li pa genye nationalité. Même nan ka survol lan tout, on suppose son avion qui a volé sous tête la France, qui a volé sous tête Qatar. Parent tout transmettre nationalité ba ti moun nan, mais ti moun nan pa gen droit à nationalité pays sa yo parce que pays sa yo même yo pas appliquer sa nou rele droit du sol. Et puis comme yon bonus, quelques compagnie avion les ti moun nan fait que kon choisi ba li yon cadeau, gen kakote ti moun te joine pour que le voyage dans compagnie avion ça c'est que le pas jamais payer billet d'avion,
Et m'a demandé maman elle a préféré pour carré faire mon avion parce que me tellement aimer voyager c'est un gros compagnie qui bon cadeau ça m'a tellement voyager me galère à honte et puis faut ne pas oublier compagnie avion a travaillé en pile pour éviter cas ça yo parce que en pile fois vie maman capable en danger parce que pas attendement médico même côté hein assez souvent victime on capable en danger et puis li pas fin trop bon compagnie avion en tout qui capable besoin de vie route li et dépenser des cob pour bay attendement pour bay assistance avec passager. Merci en pile a bien plus question qu'a venir m'attend opinion nous moi mais nous en pile après nous l'autre vidéo.